Et que louange à Allah, mashallah, aujourd'hui les francs-maçons, donc les personnes les plus hauts plus degrés, tous ont fait, ils ont fait tous la prière ensemble avec nos frères, ensemble. Et je vais vous montrer les photos et les vidéos tous ensemble. Donc verset par verset le Coran, pas à pas l'islam, inshallah. Maintenant, donc l'invité qui est venu à moi, qui dirige le monde, un franc-maçon connu, qui est connu, leader, un franc-maçon leader, avec nos frères. Donc, je montre la vidéo, à quoi il fait donc la vidéo avec les frères. Et donc, sous peu, nos frères, nos amis francs-maçons vont venir, mes 10 frères aussi vont venir. Mais d'abord, regardons cette vidéo. Notre fraternité entre la fraternité, la franc-maçonnerie et les musulmans, pour construire la paix dans le monde et pour adorer Allah, prier Allah. Masha'Allah, louange à Allah. L'équipe de Bigot de fanatiques, donc quand on voit, ils voient les francs-maçons, pendons-les, découpons-les, ils ont de la haine. Il faut s'approcher avec l'amour, l'approche avec la compassion. Ils sont venus de plus des milliers de kilomètres, certains ils sont venus donc des États-Unis, d'autres d'Italie, d'autres pays. Et donc, pas à pas, effort par effort, n'est-il pas? Et ils viennent montrer leur proximité aux musulmans, à l'islam. Et donc la fraternité au monde, la paix, le fait que pour que l'islam règne sur le monde, ils sont pleins d'enthousiasme, mais les bigots, les fanatiques sont contre. Et que devaient-ils faire? Donc, est-ce qu'ils vont soutenir les bigots, les fanatiques? En Syrie, vous voyez le scandale en Syrie. Bien sûr que la paix, la fraternité, l'amour, ils vont vouloir cela, ils vont demander cela. Regardez, ils ont montré de la courtoisie, mashallah, depuis l'autre bout du monde. Et donc, encore en tant que délégation plus nombreuse, tous les francs-maçons célèbres du monde veulent venir encore à nouveau. Et tous ces francs-maçons sont donc de haut degré, sont des francs-maçons experts. Et donc, chaque pays, donc leurs enfants choisis, tout propre, donc quand on leur explique la réalité de la foi, de toute manière, ce sont des personnes qui cherchent la vérité, la joliesse. Ils ne sont pas rigides, ils pensent de manière libre, juste qu'il y ait de la beauté, du bien. Et bien sûr qu'ils ne vont pas soutenir la saleté, de la bigoterie. Bien sûr qu'ils ne vont pas soutenir la tyrannie. Et donc, celui qui se dit comme musulman parle de l'immoralité, il parle de la diabolerie, des actes diaboliques. Donc, ceci est à part. Donc, dire l'islam, c'est l'amour. Regardez, salam, silm, l'islam, c'est la base du même mot. Cela veut dire la paix. Cela veut dire la paix. Et contre le sang, qui veut l'amour, qui veut l'affection, c'est un tel esprit.